Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du pain afghan. Il nous faudra 400 g de farine, 250 ml d'eau tiède, 60 ml d'huile végétale, 25 g de lait en poudre, 7 g de levure sèche et 5 g de sel. La liste des ingrédients se trouve en description. Je commence par verser la farine dans le bol d'un pétrin, puis le lait en poudre et enfin la levure. Puis je rajoute l'huile végétale et je commence à pétrir. Ensuite, je rajoute l'eau tiède. Et j'ajoute le sel. Je pétris pendant 10 minutes à vitesse 2. Une fois le pétrissage fini, vous obtiendrez une pâte collante. À l'aide d'une corne, je ramasse les côtés, puis je forme une boule. Je filme et couvre ma pâte pendant 1 heure à 2 heures. Une fois ce temps dépassé, la pâte aura doublé de volume. Ensuite, je farine un plan de travail. J'y dépose ma pâte. Je la dégaze légèrement. Puis je la coupe en deux. Puis je forme deux pâtons. Je dépose mes pâtons sur un linge fariné et je le laisse reposer pendant 15 minutes. Ensuite, sur un plan de travail fariné, j'y dépose mon premier pâton. Je l'étale. Vous pouvez utiliser un rouleau pâtissier pour l'étaler. Ensuite, je prends de l'eau que je dispose sur le pâton. Et avec les bouts de mes doigts, je fais des trous.
Ensuite, je le dépose dans un four à 250 degrés et je le cuire pendant 6 minutes. Une fois cuit, il n'y a plus qu'à déguster. J'espère que cette recette vous aura plu. Likez, partagez et commentez. J'espère que cette recette vous aura plu. Et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Avant de partir, clique sur le logo pour t'abonner. Ça me ferait plaisir.